Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors dans cette position, les blancs ont une dame contre un pion, ce qui est très avantageux, mais le pion noir est presque arrivé à promotion. Et là où il est, en particulier sur la colonne tour, sur la colonne H, il est très difficile de l'arrêter. Même avec des échecs de la dame, ça serait très très compliqué. Mais malgré cela, les blancs peuvent gagner en trois coups. Alors, trouvez ces trois coups. Alors, la solution, c'est roi G4. Le roi se rapproche, tout simplement. Alors là, les noirs font une dame. On va la remplacer. Ils font une dame. Très bien. Mais c'est une des positions exceptionnelles dont je vous ai parlé, de dame contre dame. Les blancs jouent roi G3. Et ils ne peuvent rien faire. Si la dame essaie de faire échec sur ces cases-là, elle est simplement capturée par le roi. Si elle se met là, elle est capturée par la dame, et c'est échec et mat. Et si il joue un coup quelconque, disons dame H6, alors c'est dame D1, par exemple, et échec et mat. Et les noirs ne peuvent donc rien faire. Une très belle position de finale. Et le prochain exercice dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.